Et yo tout le monde, Sleepy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un serveur GTA 5 RP PS4 Whitelist qui est juste incroyable, les gars. J'ai découvert et c'est juste une pépite. Donc aujourd'hui, on va vous le présenter. Donc vous allez voir vraiment qu'il y a des mappings. Le bot, il est juste incroyable. Les mappings, ils sont super inédits. Ça donne vraiment un coup de frais dans l'RP PS4. Mais je suis également en compagnie de... Salut à tous les gars, bienvenue sur GTR, moi c'est SDK, le créateur accompagné de Kakal, qui est également créateur. Donc voilà, c'est Grand Theft RP qui annonce sa version 2 avec une map inédite et un bot inédit également. On vous souhaite la bienvenue. On commence au niveau de l'hôpital. L'hôpital est juste incroyable, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est un des plus beaux hôpitaux que j'ai jamais vu au niveau du RPPS4 depuis que j'y suis, que ce soit au niveau de la vue ou au niveau pratique. Donc on a vraiment des éléments modés qui sont incroyables, parce que vraiment, voilà, la map est fourrée d'éléments modés. On a les vitres, on a les portes en vitres, on a également Lily. Donc il y a vraiment que des éléments full inédits, full incroyable, full modés, qu'on retrouve sur extrêmement peu de savoir. Il y a vraiment quelque chose de incroyable, c'est du coup la morgue dans la map. Donc voilà, vous avez les cadavres, etc. Donc alors, cette morgue, elle est super bien réalisée. Également la vue qui est juste incroyable, on a une super belle vue au niveau de Los Santos. On arrive au niveau du commissariat. Le commissariat, il est hyper propre, vraiment. GG au serveur et GG au mapper également. Donc voilà, le Comico est hyper propre. Donc là, on se retrouve avec le basique de LSPD. On se retrouve également avec les Moto Cliffhanger. Donc ça, c'est du basique, mais c'est la base. Pour la VR, on se retrouvera avec la Jugular. Vraiment une VR qui est vraiment parfaite. Elle est pas trop abusée, elle est pas trop nulle non plus. Donc vraiment, c'est incroyable pour l'RP. Et du coup, pour le véhicule, pour mettre à plusieurs, ce sera ce véhicule-là. Pour faire des convois, vous pourrez vous y mettre à plusieurs. Pour les balles, vous aurez un gilet pare-balles, le taser, la matraque, etc. Vraiment des éléments qui sont juste indispensables à l'RP PS4 sur police. Vous aurez également les armes plus lourdes qui se retrouveront dans les escaliers. Au niveau du Madricord, ils ont également Madricord qui est juste incroyable. Vraiment, c'est rempli de... Il y a également des incroyables PC pour les ingénieurs du son et du coup l'endroit pour le rapport, pour celui qui va s'enregistrer. Voilà, pour l'RP artistique, c'est vraiment un boost énorme. Donc vraiment, n'hésitez pas, rejoignez ce serveur. Au niveau du concessionnaire, ils ont fait un concessionnaire à l'air libre. Donc au concessionnaire, on retrouve les cliffhangers, on retrouve les jugulaires. Donc vraiment, c'est le concessionnaire parfait, les véhicules parfaits au sein du concessionnaire, parce que voilà, vraiment c'est les véhicules de base, mais qui sont vraiment hyper intéressants au niveau performance et beauté pour ce concessionnaire. Également, vraiment, le serveur a opté pour des mappings sobres mais vraiment hyper modernes, avec ses vitres, etc. En haut, on dirait un peu des lampadaires, avec le véhicule d'exposition. Encore une fois, on se retrouve avec le comptoir, l'armoire juste à gauche. Les gars, tout ça, c'est des éléments incroyables. Vous allez voir que tout de suite, plus tard dans la vidéo, vous allez voir qu'ils ont vraiment des éléments qui sont hyper rares. Donc voilà, on se retrouve avec la chaise modée et également avec les PC. Du coup, eux également, ils ont le système d'échelle. Donc fini les tech fly, fini les techniques bizarres pour rentrer dans les endroits ouverts. Ce sera très simple. Et du coup, ici se retrouve leur bijouterie. Vous pourrez vous faire des braquages et plein d'autres scènes. Vraiment, ça, ces éléments-là, les gars, ils sont recherchés à mort. Ils sont juste incroyables. Ça se compte vraiment sur les bouts de 3 doigts, je crois, les serveurs en France qui ont ces éléments-là. Ce sont les éléments de drogue, de cannabis, les tables de drogue. Ils sont vraiment hyper rares depuis la refonte de Rockstar. Ils sont vraiment incroyables. Ça rend vraiment l'RP illégal juste oufissime quand vous regardez vraiment les détails de la table. Vraiment, c'est juste incroyable. Donc, vraiment, c'est encore une fois un point en quoi Grand Theft RP et un serveur incroyable, c'est que ben, ils ont ces éléments là et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire la présentation de leur serveur, parce qu'ils ont vraiment des éléments inédits, que ce soit sur le Discord ou la map. Donc ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, ici on se retrouve encore avec un tout nouveau laboratoire de drogue. Ce laboratoire est juste incroyable, honnêtement on se croit sur PC. On peut vraiment dire que l'RP PS4 a fortement évolué depuis. Et vraiment voilà, un petit truc pour sortir également, c'était quelque chose d'assez innovant. Vous sortez en fait avec un tech fly, donc vous n'avez pas besoin de vous suicider ou sauter dans le vide. Voilà, c'est très rapide, efficace. C'est un tout nouveau système que je n'avais jamais vu auparavant. C'est vraiment un truc qui permet de rester dans l'immersion RP. Quand on est en train de faire la drogue, vous sortirez très simplement des laboratoires. Pour le spot d'armes illégales, encore une fois, c'est un spot inédit, un endroit qu'on ne voit sur aucun serveur. C'est pas toujours aux mêmes endroits. Ils ont leur endroit propre à eux. Donc voilà, au niveau des armes illégales, il y en aura vraiment plusieurs. Ce sera vraiment diversifié. Vous aurez des couteaux, donc des armes blanches. Vous aurez des AK-47, des
plus petites armes, des SMG, enfin vous aurez vraiment un peu de tout, donc vraiment l'illégal de ce côté là sera bien fourni. Je vous laisse un peu la vidéo pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y a, après je ne vais pas tout vous montrer non plus pour pas trop vous spoiler. Encore une fois, là vraiment on vous montre même pas la moitié du serveur, il y a vraiment énormément de choses à découvrir, mais je vous laisserai découvrir ça à l'ouverture de la V2. Également encore une fois, un plus qu'il y a sur très peu de serveurs, ben on a un mapping auto-école, donc il y aura un parcours prédéfini qui sera proposé pour l'auto-école. Il y aura également le véhicule de l'auto-école, comme ça tout simplement le moniteur pourra se mettre derrière et le stagiaire devant. On se trouve encore une fois avec un mapping simple, sobre, mais qui fait vraiment l'affaire, full éléments modés encore une fois, les PC, les chaises, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mapping qui tue. Là on se trouve sur le Discord, donc comme vous pouvez voir ils ont vraiment déjà 900 membres, donc c'est vraiment déjà un serveur qui est bien posé. Ils ont vraiment un design super, leur Discord est super bien développé. Ils ont 3 bots personnalisés, donc ils ont leur bot de Protect, ils ont leur bot replay qui est à eux, donc voilà un bot personnalisé également, et du coup ils ont également un bot support, donc voilà à chaque fois avec le logo différent que ça, donc ça c'est vraiment quelque chose que peu de serveurs ont. La plupart des serveurs ont plus qu'un bot pour tout rassembler, eux ils ont vraiment un bot chacun. Ils sont vraiment actifs sur les sondages, sur les leaks, ils font même plein de concours pour des boosts, donc voilà également vous pourrez faire du RP, mais vous pourrez également gagner des cadeaux qui sont vraiment super intéressants. Au niveau de leur bot, c'est hyper avancé les gars, vous allez voir c'est super super avancé. Comme vous pouvez voir, vraiment leur design de leur Discord est vraiment bien fait. Par exemple, ça, c'est tuteur. Vous aurez juste à envoyer un message, plus besoin de faire de commande, et ça se mettra directement sous forme tuteur. Donc voilà, vous pourrez partager et liker tout simplement le post. Donc voilà, et ça reste super actif. Là, au niveau de la création de personnage, j'ai déjà créé mon personnage. Vous pouvez voir que on peut faire plusieurs actions au niveau de son personnage, à modifier directement son personnage. Mais comme vous pouvez voir, en fait, dès que vous créez un personnage, en fait, il y a la carte d'identité qui se fait directement. Vous avez juste à implanter la photo, la tête de votre personnage et tout se fait, votre signature et ça, donc c'est juste incroyable. Ils ont également un système d'inventaire qui est juste ouf, avec des systèmes de poids, les images de chaque item sont juste hyper bien fait. Donc voilà les gars, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Vraiment, j'ai découvert ce nouveau serveur Grand Theft RP. Le serveur est vraiment hyper prometteur et je crois qu'il va vraiment donner un coup de frais et un bon vent au RPPS4. Donc vraiment, n'hésitez pas, il lance bientôt sa V2, les gars, le serveur est bientôt en V2. Donc voilà, il a déjà pu faire ses preuves en V1, maintenant il lance sa V2. Vraiment, n'hésitez pas, le serveur sera en bio et en description de cette vidéo. On se retrouve très vite en jeu. Ciao.